Hey, salut tout le monde, c'est ML2G, bienvenue dans l'épisode 16, il me semble déjà, de New Super Mario Bros. U. Alors on s'était quitté ici, à la tour Tournevis, et on va aller voir qu'est-ce qui tourne dans cette tour Tournevis. Let's go! Il nous reste 3 niveaux à faire avant de terminer le monde 6. Alors, déjà ici, ok. Donc le principe, ça va être de tournoyer sur soi-même pour faire tourner la vis, donc, tournevis, la tour, faire monter ses plateformes. Donc ça, je peux évidemment pas les détruire. Par contre, je peux les jarter pour qu'ils ne m'embêtent plus. Voilà, si je les laisse en bas, ils peuvent plus m'embêter. Allez, on monte. On a le choix, hein, soit on appuie sur le bouton, soit on secoue le gamepad. Moi, je vais pas le secouer. Allez, monte. Oh mince, c'est vrai que je peux pas monter, là. Quel imbécile. On va prendre ce power-up, si on nous le donne, c'est pas pour rien. Toi mon petit pote, tu dégages. On va voir ce qu'il y a là-haut. D'accord. Ah, déjà un tuyau jaune. Parfait. On va passer par là. Ah, vas-y, monte. Voilà. Tout explose. Voyons voir ce qu'il y a derrière ce tuyau. Oh, d'accord. Alors ce qu'on va faire, ça va être simple. On va en glacer un. Et on va jeter. Ok, bah j'ai même pas eu le temps. Enfin, je pouvais même pas faire une vis, c'est dommage. Ok. On récupère les pièces quand même. Voilà. On peut sortir de là. On va monter. En faisant attention aux boules de feu là. On va se les prendre. Ok, c'est bon, ici y a rien. Il n'y a rien de plus. Oh! Il y a des éclairs là-haut. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, les sumos! Le retour des sumos. Ils sont dans Super Mario World, les sumos. Et je ne vous cache pas que je ne sais plus s'ils sont dans. Oh! Là, je me suis fait flamber. Là. Je ne sais plus s'ils sont dans New Super Mario Bros. Oui. Parce que ça fait vraiment longtemps que j'y ai pas joué celui-là. Ok, bon, on a toujours qu'une pièce. Hein. Ah, tu vas speeder là. Allez, 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 allez. Si tu... Oh là, t'es allé trop vite. C'est pas grave. Bon, on est toujours grand, c'est le principal. Tu vas monter par là, c'est plus prudent. Ok, il y a une deuxième pièce là. Vas-y doucement quand même. Voilà. Là, tu vas remonter, pépère. Est-ce qu'on essaye de récupérer les power-up ici? Ouais, on va quand même essayer. Okay. Ah! Monte, 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 monte. Je vais pas tenter l'autre. Hein. Je vais pas tenter l'autre. Balance tes éclairs, toi. Vas-y, retape encore. Ah, double. Vas-y, je te pète. Voilà, c'est bon. Ah, faut que je fasse gaffe de pas me faire toucher parce que là, c'est méchant. Ok. Passer par là. Ça a l'air d'être bon. Ok, bon bah si on peut tous les avoir sans se faire cramer, ça serait bien. Ah yeah, ça c'est bon ça. Ok, power up. Là ça me sauve la vie. Là ça fait du bien d'être un grand. Toujours pas de vie. Y'en a pas assez. Okay. Là on y va. Vas-y, vas-y. Ah zut, dommage. Bon c'est pas grave parce qu'ici il y a toujours des petits power up cachés. Voilà. Et normalement, eux, tu peux pas les cramer non plus. Ah si, tu peux les cramer. Ah, tant mieux. Mais non, j'avais zappé ça. Alors ici, si on monte là-haut, un petit passage là-haut. Qu'est-ce qui se passe? Eh ah, c'est pour la dernière pièce du château. Enfin, du donjon numéro 2. Parce que le monde 6 a la particularité d'avoir deux donjons. Chose qu'on n'a pas vu auparavant. On verra peut-être après, je ne sais pas. J'ai pas encore vu la suite. Donc là, le mini-boss n'est pas le même. C'est un sumo. Donc là, forcément, il va grandir. Hein. Voilà. Il y a déjà un petit peu plus la classe, quand même, le sumo. Et... Oh. Oh. Tiens. Bon, bah, finalement, il n'est pas si compliqué que ça. Il suffit de le jarter de cette plateforme et de lui sauter dessus. D'accord. Comme d'hab, c'est facile, hein. Aïe.
Non. Ok, c'est bon. Bon. Je me suis quand même fait toucher, hein, mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Je l'ai quand même terrassé, ce monstre. Et voilà. Un coup de poing dans le derrière, et puis il est parti. Alors là, cache, on a la possibilité... Ok, sauvegarder. Non, pas tout de suite. On a la possibilité de faire le tour par les blocs rouges pour aller directement au château. Sauf que nous, on le fait à 100% le jeu. On est bien d'accord. Donc on va actionner ce bouton pour réactionner le rouge. Et pour faire ce niveau, la grotte au piston. Alors cette grotte, elle est très déstabilisante. Hein. Vous allez voir ça déjà. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages aussi. Voilà. Alors, déjà, première chose, une chose positive, c'est qu'on n'est pas dans le noir. Parce que autant les grottes, ça peut être sympa, autant quand t'es dans le noir, c'est tout de suite moins sympa. Ok, donc là on va passer. On se dépêche un petit peu. On se dépêche, on va pas non plus speeder. Hein. Power up, ça c'est bon. Allez, on avance. Qu'est-ce qui se passe? Toi je te crame. Toi je te crame aussi. Oh bah j'ai cramé le Koopa qui était là. Il va falloir en garder un à la fin, le Koopa. Hein. On va savoir pourquoi après. Alors là où il n'y a rien, on peut toujours regarder, il n'y a rien. Voilà, on commence à y voir un petit peu plus d'espace. Ok, la pièce là. Ah. Oh là là là. Un peu plus. Et j'étais aplati comme une crêpe. Pas bon ça, faut que je me concentre un petit peu là. Ok, il y a quoi ici? Power up, on le prend quand même si on est à fond. Oui, elle est les grosses plantes carnivores là. Ok, checkpoint, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Toi déjà, tu t'en vas, voilà. Eux, tu peux pas les cramer, mais tu peux leur sauter dessus. Avancer. Hein. Aïe, je voulais te sauter dessus là. Ok, on défonce tout le monde. Vas-y, tape dans le tout, dans le tas, voilà. On s'est fait une petite vie gratos. C'est pas grave, c'est pas grave, voilà, tu vois, c'est pas grave. Stresse pas, mon petit gars. Ok, ah si, il y avait des blocs, je viens de les casser. On va pouvoir monter. Parce que là, on voit clairement qu'il y a des pièces, hein, au-dessus du Black Piranha. Pas du Black. De la plante carnivore. Et la deuxième pièce, ça c'est cool. Oh, je te crame. On va pas cramer tout le monde. Celui-là, on va le garder. Mais non. Je voulais le garder. Il y en a pas d'autres là? Oh, je vais être mal barré pour la dernière pièce. Hein. Ça c'est moi qui vous le dis. Au pire, on va tester un truc. Et si ça marche pas, bah... Aïe. Ah ouais, non mais là ça va pas. Allez, la dernière pièce, elle est là. Alors pour la voir, faut y aller. Hein. Je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Il y a peut-être moyen, mais faut y aller speed. Hein. Ouais, faut y aller speed dans le vide. Et en fait, si je voulais garder un Koopa, c'était pour balancer la carapace dans le vide et pour justement récupérer cette fameuse pièce. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Non, je l'avais zappé. Bon, on va aller le voir. Hein. On va aller voir l'ami. Avant, on va utiliser un petit power-up. Non, juste une étoile. On va pas prendre un gland. Allez, on va aller chercher Carotin. Et là, ça va être tendu parce qu'il y a des trous un petit peu partout. Hein, donc... ce niveau, ça fait un moment que je l'ai pas fait, donc ah ouais, ça c'est quand même assez chaud. Vas-y, bah vas-y, viens. Et je suis allé plus vite que lui, je me suis posé devant lui. Il était en train comme ça. Oh là, attention, je vais où? Ah bah non, je t'ai chopé, c'est mort, mon pote. Ok, voici un gland avec le P sur le front. Aïe, je me suis fait mal.
Oh yeah. 4 glands, 4 étoiles. Bon bah, c'est cool hein. Bon allez, on va refaire ce petit niveau là. Ici. La grotte au piston. Putain, j'ai aucune pièce. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de checkpoint. Oh, il n'y a pas de checkpoint, faut recommencer. Ça c'est pas sympa par contre. C'est pas sympa. Pourtant il me semble avoir vu le checkpoint hein, mais ça se trouve je l'ai pas pris hein, bêtement. Ok. Alors là, on y va. Mais c'est quoi ça? Il sort d'où lui là? Non mais hé eh. On va y aller cool. Tranquille. On va pas se presser. Voilà. Pour l'instant ça va. On dirait que c'est pas plus mal que je m'y prends un petit peu comme un manche hein, parce que l'épisode sera encore court. Et si je perds, bah ça rallonge la durée de vie de cette vidéo. Et puis vous avez la possibilité de vous foutre de ma gueule quand je perds une vie, c'est marrant ça aussi. Vas-y, prends le champignon, voilà. C'est bien, maintenant tu avances. Encore les chauves-souris là. Ok, toi tu mourras pas. Bon, j'en ai pas besoin de lui hein. C'est pas celui-là qu'on a besoin. Plus vers la fin. C'est tout à l'heure là, fallait que je fasse gaffe aux chauves-souris. Vas-y, non, on n'y va pas tout de suite, sinon tu vas te faire avoir. Voilà. Première pièce, ok. Toi tu viens et je te pète. Là où on va attendre la petite fleur. Voilà, on va pouvoir cracher des boulettes maintenant. Yeah. Ok. Eh ben il était là le checkpoint. Je comprends pas, je l'avais pris. Ah c'est... Oh dégage. C'est peut-être parce que j'ai pris un autre niveau entre temps. C'est peut-être pour ça aussi. Parce que pas prendre ce checkpoint... c'est pas possible, je l'ai pris. Je l'ai pris. Allez, on se refait une vie. Oh, j'avais oublié qu'il faisait demi-tour. Ok, c'est bon. Toi, tu pètes. Là, on va attendre. Hein. On n'est pas pressé. On a tout le temps. Voilà, c'est bon. Tu peux passer. Ok. Au cas où, tu vas pas le tuer. Tu vas garder le Koopa ici. Et là, tu tapes. Voilà. Vas-y, saute. C'est bien. La deuxième pièce étoile est ici pour nous. Et c'est ce Koopa que j'ai besoin. Toi, je te pète. Je prends ta pièce. Parce que si je prends pas ta pièce, si c'est comme dans Mario World, tu réapparais. Vas-y, ressors de ta carapace, toi. Voilà, c'est bon. Quoique, il me semble que là-dessous, il y a une étoile, quelque part. Voilà, elle est là. On va d'abord faire un petit tour pour détruire tout ce qui s'y trouve. Comme ça, ce sera plus facile pour nous de passer. Ok, c'est bon. Oh! Oh, 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 on se calme là. C'est pas le moment de perdre, hein. Voilà, ça c'est bon. Ok. Et le Koopa. Et on y va. Allez. Là. Y'a pas de raison. Oh, il y a une chauve-souris là. Ok, maintenant on va attendre que ça revienne. Voilà, et on lance. Yeah. Ok, c'est bon, c'est parfait. On termine le niveau. On peut souffler. C'est super facile à faire, mais bon, c'est... J'allais dire c'est pas évident, mais si je vous dis que c'est pas évident et que derrière je dis que c'est facile à faire, je me contredis et c'est complètement ridicule de se contredire. Allez, fais ton triple saut là, triple buse. Voilà, comme ça tu récupères une vie, même si tu les as déjà à fond. C'est pas grave. Ok, ça c'est bon. Ouais, en prenant le temps, on peut faire le niveau tranquille. On arrive à le terminer sans trop d'encombre. Et donc là, on a un petit raccourci. Et l'entrée du château. Ce château est particulier. Il va falloir se le faire deux fois et donc battre deux fois le boss. Vous comprendrez pourquoi... La première fois que j'aurais battu le boss. Je vous explique. Ok, alors déjà...
Oh là, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était des boules de feu, mais non, c'est des pièces. Là, il faut se dépêcher, parce que si le truc là, il tombe, c'est mort, hein. Tu peux plus aller récupérer ta pièce. Ok, vas-y, descends, toi. Voilà. Oh! Tu te calmes, là, le Skellrex. C'est bon, on passe. Là-haut, petit passage, c'est juste pour quelques pièces, hein. Rien de bien méchant, toi tu dégages. Ok, c'est parfait, c'est cette plateforme là qu'il me faut pour pouvoir passer. Des pièces, hein, on prend. Même si c'est que des pièces, on prend quand même. Et ici, ah, tu... Oh, oh, oh. Voilà, c'est ça d'appuyer sur le bouton du haut et de ne pas se frotter à un mur. Oui, parce que Mario se frotte au mur pour pouvoir monter en haut. Ok. Oh là, je suis un fou, j'y vais comme ça. Faut que je me calme un petit peu parce que bon, faut pas non plus que je fasse que de perdre. On est là pour faire le jeu à 100%. On peut perdre. C'est pas exclu de perdre des vies, hein, parce que bon, depuis le début, j'en ai quand même perdu pas mal. Mais ce serait bien de faire ça correctement. Bon, là, on va attendre un petit peu. Voilà, parfait. Et là, cette fois-ci, je me fais pas avoir une deuxième fois. Hein. Faut que j'appuie sur le bouton du haut, sur la croix directionnelle, vraiment au dernier moment. Voilà, comme ça. J'aurais dû le faire du premier coup, mais bon, c'est pas grave. Et là, pareil, on va se dépêcher. Ok, c'est bon. La deuxième pièce est à nous. Il ne nous reste plus que la dernière pièce à récupérer. Là, si on attend un petit peu, qu'on va jusqu'au bout, on peut récupérer une vie. Ok, là y a rien. Vas-y, vas-y. Ok, les pièces rouges, on va se les prendre. Histoire d'apporter un petit peu plus de challenge, même si bon, c'est rien, rien de bien compliqué. Voilà, pièce rouge, c'est fait. Checkpoint, c'est fait. Voilà, je suis grand, je peux cracher des boulettes de glace. Et je te glace. Et puis il y en avait un autre ici. Bon, super les pièces rouges. Là je te crame. Enfin je te crame pas. Ah si. Si tu peux cramer tes ennemis avec tes boulettes de glace. Oui. Parce que la glace, c'est tellement glacé que ça peut te brûler la peau. Eh oui, eh oui. Colle-toi la langue sur une barre en métal qui sort d'un congèle. Tu vas voir ce que ça fait. Alors vous voyez sur la droite, il y a un autre passage. Derrière ce passage là, il y a la troisième pièce. Et pour avoir cette troisième pièce, il faut passer derrière le château. Alors déjà, je vais prendre ce power up là, il est mieux. Donc on va battre une première fois le boss. Et on va se refaire encore une fois le château. Et donc, il faudra rebattre une seconde fois le boss. Un petit peu dommage. Chose que j'avais essayé de faire en off pour m'entraîner un petit peu avant. J'avais pris les deux premières pièces, passé le checkpoint et je me suis tué volontairement pour ensuite passer derrière. Sauf que ça marche pas. Voilà, je te saute dessus. Alors lui, il est très facile. Hein. Comme la plupart des boss de ce jeu d'ailleurs, hélas. Il a sauté là. Voilà. Hop. Je le connais par cœur, c'est pas la peine. Tu peux pas test, boss. Tu peux pas test. Vas-y, je t'attends ici. Il va ressauter là. Ah, j'étais presque. Mais bon. Ça, c'est fait. Sans trop de difficultés, on peut en convenir, oui. On peut en convenir. Certes, je vais arrêter de parler en langage soutenu. Je peux même vous parler en langage vulgaire, genre... Vas-y, je vais niquer sa race à ce boss de... Peut-être pas non plus abuser sur les gros mots. Pas envie d'être censuré. Ok, terminé. Yeah. Ok, et là, le chemin à gauche nous mène au niveau 6. Au monde 7, pardon. Pas 6. Le 6, on y est là. Non, je ne sauvegarde pas. Et maintenant, on va se diriger donc... vers le petit chemin rouge, là. Et pour y aller, on va prendre ce chemin-là. On va repasser par là. Voilà. Oh là, qu'est-ce que tu fais?
On va taper cet interrupteur. Et on va reprendre le même chemin. Voilà, et maintenant on peut y aller. Oh yeah. Château Chenil de Roy. Roy. Roy, il est déjà pété. Allez, prends. Ok, et là, on bouge pas. On attend que tout tombe. Tranquille. Enfin, en attendant, parce que là, faut se dépêcher quand même. Parce que sinon, voilà, encore une fois, on est baisé. Et on récupère la dernière pièce et on va pouvoir aller se fighter. Une deuxième fois contre le boss. Vas-y, viens. Voilà. Voilà, pas besoin de faire le fifou, hein. On est arrivé. Et juste là. Donc voilà, pour les feignants, faut passer derrière le château. Si vous avez pas envie de faire tout le château. Enfin, faut vraiment le vouloir d'être feignant avec ce jeu. Hein. Oh là. Oh, bien visé. Bon, bah là, ça va pas être super passionnant. Vous avez déjà vu le boss. Je l'ai déjà vu aussi. On l'a déjà battu. Donc, on va le battre une deuxième fois. Et voilà, je te saute dessus. C'est bon. Oh, je peux te glacer, c'est vrai, toi. Alors, une fois, je te bats avec mon pouvoir de feu. Et une fois, je vais te battre avec mon pouvoir de glace. Parce que moi, je suis comme ça. Mario, il est comme ça. Il est généreux. Allez. Ok, et tu vas repopper ici. Et voilà. Oh yeah. C'est terminé. Et l'épisode 16 touche à sa fin. Yes. Vous avez trouvé toutes les pièces étoiles des mines Candy. Signifie quelque chose. On le verra à la fin de ce WT, mon petit Mario. Sauvegarder, oui. Ok. Et on va se quitter là, les amis. Oh, il y a bientôt plus de batterie sur mon gamepad. Hein. Moi, je regarde l'écran, je regarde pas le gamepad. Donc, ça aurait été malin que ça coupe en plein milieu. La prochaine fois, je le brancherai. C'est un petit peu plus prudent. Bon, bah, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme à chaque fois je me répète, hein, mais bon, partagez, likez, faites ce que vous voulez. Mais appréciez ou pas mes vidéos. Je vous fais plein de gros bisous, même si je le dis jamais ça. Autant changer un petit peu de dialogue à la fin. Et je vous dis à bientôt. Là par contre, je garde la même recette, pardon. Et je vous dis ciao tout le monde.